premier tour de roue avec cette nouvelle MT-09 qui est présentée donc sur cette magnifique île de Lanzarote. On va aller faire quasiment le tour complet de l'île. Donc ça va être vraiment assez sympa. Je ne trouve pas le clignot. Alors effectivement, ils l'ont déplacé. Ok, oui, d'accord. Donc le clignot, effectivement, ils l'ont déplacé. C'est plus du tout un petit bouton comme on a l'habitude d'avoir sur d'autres motos. Là, on a deux boutons, un pour gauche, un pour la droite. Et puis, je pense qu'il va falloir s'y habituer parce que c'est vraiment pas naturel comme ça de prime abord. Bon, en tout cas, première impression, premier tour de roue, on vient de partir de l'hôtel. La moto est réactive. Alors bon, bah, c'est le CP3, on le connaît. Là, je suis en mode sport, elle vient de me lâcher un petit pet un peu sympa. Au passage de vitesse, le shifter a l'air assez efficace. La moto a du couple en bas. Bon, j'ai l'impression de dire un peu des généralités, vu qu'on connaît le moteur. Hein. Bon, la moto, elle se pilote avec les fesses, comme la R7, en fait. Hein. On retrouve cette sensation où... je prends la R7 parce que c'est la dernière que j'ai testée chez Yamaha. Mais c'est vrai que du coup, le moindre petit mouvement avec le bassin permet de très très facilement faire tourner la moto. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais la moto a l'air d'avoir en tout cas un sacré punch. Le moteur, il est franchement joueur. Avec ce mix justement entre le couple d'un bicylindre et puis la longe d'un 4 cylindres en ligne. Ça, ce sont les avantages bien connus de ces trois pattes. Et c'est plutôt agréable. C'est vrai qu'elle est... Quand on remet du gaz comme ça, un petit coup de gaz, elle est... Ah, elle lève, elle est dynamique. Et le shifter est d'une efficacité... Donc le shifter est livré en série avec cette moto. Et vraiment le petit package électronique il est vraiment pas mal. La seule chose qui manque apparemment des discussions que j'ai eues ce matin avec une des personnes de chez Yamaha sur cette moto, mais qui sera présente sur la SP qui sortira 2-3 mois plus tard après le modèle standard, qui sera forcément mieux équipé avec des suspensions un petit peu plus haut de gamme. C'est le Engine Brake Control, le BC, qui permet en fait de gérer le frein moteur sur la moto. Donc bah voilà, quand on est sur des petites routes de montagne, c'est des fois mieux. Enfin, moi j'aime bien rouler avec beaucoup de frein moteur. Par contre, sur circuit, mieux vaut l'enlever. Et puis comme ça, quand on coupe les gaz, on garde quand même de la vitesse et on n'est pas tout de suite freiné avant le virage. Elle est vraiment plaisante cette moto. Ce moteur, il est super agréable. Alors un peu plus d'allonge justement qu'un bicylindre comme celui qu'on va trouver sur la concurrente, à savoir la 890 de chez KTM. Et du coup, c'est assez agréable parce qu'on a le couple, ce qui est assez impressionnant, je veux dire. Hein. Vraiment, elle est souple en bas. Là, je suis en mode sport. Hein. C'est une moto qui est souple quand on la conduit tranquillement, donc on pourra tout à fait faire de la ville et pour les gens qui n'ont pas nécessairement envie de faire les cons avec cette moto. Mais c'est vrai que j'avoue, elle a un petit peu tendance à nous forcer à faire les cons. Hein. Il y a un côté très très joueur et du coup c'est difficile de rester sage sur cette moto. Ah, c'est vraiment plaisant en tout cas. Et là je suis en 4 et il y a une reprise qui est vraiment vraiment chouette. Et la maniabilité est extraordinaire sur ce moto. Et j'ai toujours du mal avec les clignots. Alors le frein arrière, en tout cas, il est super efficace. Là, je touche pas l'avant pour freiner. Et les freins avant est super efficace aussi. Très agréable. Tout de suite du mordant.
mais assez dosable quand même. J'ai fait quelques photos de la moto, je les ai postées sur Instagram et je vous ai proposé sur le compte Bikers HQ donc de poser vos questions. Une des questions qui est pas mal ressortie, c'était plus une remarque comme quoi la moto paraissait extrêmement petite et qu'on dirait presque une 0.3. Alors, c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'elle est extrêmement compacte et ils ont vraiment retravaillé l'esthétique de la moto. Déjà, le fait d'avoir baissé le guidon pour le rendre un peu plus bas et plus proche du pilote, ça les a obligés à retravailler le réservoir d'essence. Et ce réservoir, il a perdu 3 cm en hauteur, mais bien sûr, ils ont dû l'élargir pour ne pas perdre en contenance. Donc, on se retrouve avec un réservoir légèrement plus large, un peu plus bas. Ce qui fait que c'est vrai, quand on regarde la moto du bel côté, elle peut paraître un petit peu plus compacte. Mais en largeur, par contre, elle a un petit peu augmenté. Mais ça, c'est seulement au niveau du réservoir et surtout de l'avant du réservoir, parce qu'au niveau de la selle, on se retrouve avec quelque chose de plus fin. Donc la hauteur de selle n'a pas changé, mais par contre, Yamaha a travaillé sur la largeur de cette selle. Et du coup, ça rend la moto, quand on est assis dessus, un peu plus facile pour les petits gabarits. Le sol, elle est un peu plus accessible. Et du coup, ça permet aussi de un peu mieux bouger sur cette moto parce qu'elle est très fine. Alors, on m'a aussi demandé si la position était pas trop sur l'avant, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a vu ces informations par rapport au changement du guidon. Mais en fait, le guidon, il est effectivement un petit peu plus bas qu'avant, mais il est un peu plus proche du pilote. Donc, on n'est pas du tout sur l'avant. On a une position qui est très confortable. Les repose-pieds, eux, par contre, sont un petit peu plus en arrière. Donc, l'assise est très légèrement différente et on a les pieds un peu plus reculé qu'avant, c'est un petit peu plus sportif et tout ça, ça participe du coup à un côté un peu plus sportif de la moto. C'est vrai que la toute première MT-09 était vraiment avec un esprit super motard, et plus les générations passent, plus cette moto a tendance à redevenir un vrai roadster, à se rapprocher de ce côté roadster, mais toujours avec ce côté très fun que Yamaha souhaite depuis le début, avec cette appellation MT qui veut dire Master of Torque, donc maître du couple. Et c'était vraiment pour insister sur le fait qu'on quittait les 4 cylindres en ligne typiques de chez Yamaha pour venir avec un moteur 3 cylindres, beaucoup plus coupleux, à cylindre égal. Et c'est vrai que c'est ce qui fait vraiment toute la partie amusante de cette MT. Alors, un des points sur lesquels aussi Yamaha est venu hier soir à la présentation, c'est le fait que le châssis a été légèrement basculé sur l'avant, et ça donne un peu un côté un peu plus agressif, un peu plus dynamique au train avant. La moto est plus vive, et dans des petites routes comme on est en train de faire, c'est super agréable, et en plus, avec ce freinage très efficace, ça fait un très bon mix. Alors là, on est sur la version de base, hein. La SP n'est pas encore disponible, elle le sera 2-3 mois après ce modèle-là. Donc la MT-09 sera disponible vers le mois de mars, et 2 mois plus tard, selon les régions, la SP deviendra disponible avec une meilleure suspension. Alors ça ne veut pas dire que la suspension qui est actuellement sur le modèle standard, elle est mauvaise, loin de là, contrairement à ce qu'on a pu peut-être voir sur des modèles précédents dans la gamme MT, particulièrement sur la 07, qui était un petit peu particulière, on va dire, pour pas dire dangereuse, en tout cas les anciennes générations sur
sur les courbes où justement on avait des gros freinages et on devait changer d'angle en même temps. Enfin, plutôt juste après. C'est vrai que l'AMT n'était pas réputée pour être la moto, l'AMT n'était pas réputée pour être les motos les plus rassurantes de ce côté-là. Alors là, vraiment, sur ce modèle-là, on a fait vraiment des pif-paf là, et plutôt un rythme soutenu. Il n'y a pas de mouvement parasite de la fourche. Je me suis pas retrouvé. À l'époque, on avait essayé la MT-09, on avait fait un essai entre la KTM 890R, la MT-09 et la Z900. On s'était retrouvé sur autoroute avec la MT-09 à dépasser un camion et avoir la moto qui commençait à trembler, à presque guidonner. Alors, c'était pas un guidonnage qui faisait perdre le contrôle de la moto, mais on avait vraiment ces secousses gauche-droite comme si la moto partait en guidonnage. Alors ça, c'était vraiment pas rassurant, c'est quelque chose que, visiblement, sur lequel Yamaha a beaucoup travaillé, parce que cette MT-09 2024, en tout cas, alors j'ai pas essayé le modèle juste avant, mais je pense que vous avez déjà pas mal réglé ce problème-là. Mais en tout cas, ce modèle-là, il a plus de mouvements parasites bizarres, même quand la moto a tendance à délaisser de l'avant, ce qu'elle fait relativement régulièrement, vu le punch du moteur. C'est pas quelque chose qui est effrayant. À aucun moment on se dit mince, je suis en train de partir. C'est en train de partir en live et je vais pas pouvoir gérer le truc. Non, là vraiment, la suspension est rassurante. Je me réjouis d'éventuellement essayer aussi le modèle SP qui sera encore un petit peu plus poussé, plus orienté pour la piste avec des finitions encore un petit peu plus haut de gamme et bien sûr des accessoires plus haut de gamme. Mais. En tout cas, cette version basique, elle est pas mal équipée du tout de base. Elle est très rigide, hein, on a pu remarquer. Dès qu'on est monté sur les motos, la moto n'a pas tendance à s'enfoncer comme ça peut arriver avec d'autres roadsters de la catégorie. Donc elle est vraiment rigide et ça lui donne une bonne dynamique. Alors je sais pas sur des routes un petit peu cabossées ce que ça peut donner, mais sur des routes en bon état en tout cas, ça permet d'avoir un rythme vraiment dynamique et une très très bonne tenue de route. Et ça, c'est particulièrement agréable à avoir. Et c'est ça qui fait aussi dire que cette MT, elle se rapproche de plus en plus du côté roadster sportif et elle s'éloigne du coup de plus en plus de cet esprit super motard qui était souhaité à la base par Yamaha, en tout cas il y a 10 ans, quand ils ont lancé le premier modèle de MT-09. Une chose que j'ai pas encore testée, on va le faire tout de suite parce qu'on est sur une route qui s'y prête bien, c'est une option qui... Enfin, c'est même pas une option, en fait, c'est... complètement de série sur cette moto et c'est très agréable de voir ça sur des modèles relativement accessibles. Alors maintenant ça recommence à tourner, ça sera peut-être pas le meilleur moment, mais du coup c'est le régulateur de vitesse, le cruise control, et on a donc un cruise control d'origine sur cette moto. Il suffit de l'enclencher ici, 2,7 m, et c'est parti, la moto gère toute seule, enfin, garde la vitesse qui est donnée. On peut régler très facilement en baissant vers le bas ici le petit bouton, ou on accélère en remontant le bouton ici. Puis deux possibilités comme d'habitude pour le désactiver à nouveau. Soit bien sûr on appuie sur le bouton, soit on met un petit coup de frein avec le frein avant ou le frein arrière. Et puis ce qui est le moins agressif, en tout cas pour comme façon d'arrêter. Au niveau de la sensation de conduite, j'entends, c'est simplement de venir tourner la poignée des gaz à l'envers. Donc, quand on est à zéro, on donne un petit coup vers l'avant, au sens contraire de l'accélération, et puis ça coupe tout doucement le régulateur de vitesse, ce qui fait qu'il n'y a pas d'un coup comme on aurait si on met un coup de frein ou si on le coupe d'un seul coup avec le petit bouton. Voilà, mais c'est chouette de voir ce genre de petites options confort livrées d'origine sur cette moto. Donc très très bon point là pour Yamaha. Et puis c'est peut-être aussi parce que cette moto, il y a quand même un certain nombre de personnes qui l'utilisent pour leur trajet quotidien. C'est un peu le compromis idéal. On a une moto qui est très maniable, qui déborde de vie et de vigueur. En tout cas, c'est ce qu'on a pu remarquer là avec ces petites routes. Et ce moteur, il est vraiment excellent.
très très souple. Bon, si on doit parler un petit peu confort maintenant. Alors cette MT-09, je vous l'ai dit, elle est pas mal rigide. Et forcément, ben, ça se ressent aussi au niveau de la selle. On n'a pas une assise qui est ultra confortable. Ça reste très sportif. Et puis par contre, ce qui a changé, c'est que la selle de ce nouveau modèle est en deux pièces. Donc une selle pilote et une selle passager. Et du coup, on a un petit dosseret à l'arrière de la selle pilote qui est formée par la selle du passager. Et ça ne laisse pas énormément de recul. Je pense particulièrement aux gens qui voudront faire du circuit avec. C'est pas une moto sur laquelle on peut se mettre vraiment très très en arrière. Voilà, l'assise est un petit peu courte pour déhancher. Mais à la base, c'est pas une sportive non plus. Et il faudra voir ça avec la prochaine sportive de chez Yamaha. On attend depuis très longtemps, hein, avec énormément d'impatience, à savoir la R9, qui reprendra ce moteur avec, j'espère, un tout petit peu plus encore de poney. On verra. Tant qu'il lui enlève pas du couple, c'est le principal. Bienvenue dans le Mordor, quoi. Alors là, on est vraiment au milieu d'un champ de lave. C'est que là, tu te fais une sortie de route. Tu bouffes des cailloux, hein. Parlons maintenant un peu plus en détail de cette MT-09, en commençant par la tête de fourche qui devient beaucoup plus compacte que sur les générations précédentes. La signature lumineuse se compose de feux DRL surmontés d'une double optique lenticulaire en forme de rectangle, quasi identique à celle de la très rétro XSR 900 GP. On aime ou on n'aime pas, mais ce qui saute aux yeux, c'est que les finitions sont en très nette amélioration par rapport au modèle 2022. Yamaha a enfin réussi à trouver une place discrète pour le klaxon, qu'ils avaient jusque-là un peu tendance à coller là où il restait de la place, et souvent bien en vue, juste sous le phare. Bravo Yamaha! Le grand écran TFT est hyper lisible et propose même 4 thèmes graphiques parmi lesquels choisir. 3 zones du tableau de bord sont paramétrables et permettent d'afficher les données souhaitées par le pilote, comme les trips 1 et 2, le dos, la température, la conso, l'autonomie, etc. Grâce à l'application gratuite Garmin Street Cross, le pilote bénéficie d'un vrai système de guidage avec affichage de la carte. Bien sûr, la connectivité via l'application Yamaha MyRide est au rendez-vous et permettra de lier son smartphone et un intercom pour gérer musique, messages et appels. La navigation dans les menus est super intuitive et se fait depuis le commodo gauche où l'on retrouve également les boutons pour le régulateur de vitesse de série. Côté droit du guidon, un bouton permet de sélectionner parmi 5 modes moteurs, dont 2 entièrement personnalisables. Le freinage est confié à un maître cylindre Brembo et des pinces de frein Yamaha mordant des disques de 298 mm de diamètre. Le shifter et le blipper sont de série et sont très efficaces. Sur le réservoir, on trouve 2 grilles servant à renvoyer le son de l'admission d'air directement en direction du casque du pilote. Ceux qui aiment rouler dans le plus grand silence, passez votre chemin, mais qui n'aime pas entendre son moteur gueuler ? Le pot d'échappement fait très brut et aurait peut-être mérité quelques caches. La solution se trouve dans le catalogue d'accessoires avec un échappement complet à Krapovitch, ramenant le silencieux sur le côté de la moto, pour lequel il faudra quand même débourser plus de 2500 francs. Ouch !
D'ailleurs, le catalogue d'accessoires déborde d'options pour rendre la MT-09 plus agressive ou carrément en faire une moto de touring. Bon, je penche de mon côté plus pour les belles pièces en aluminium que pour la bulle haute et le top case. La monte pneumatique d'origine est fournie par Bridgestone avec un Battlaxe S23R. La Yamaha MT-09 est disponible en 3 coloris, à savoir le Science Storm comme nos motos d'essai, l'Icon Blue qui est la couleur classique de chez Yamaha, et en Midnight Black. La version SP qui sera disponible 2 mois après recevra une livrée reprise de la R1M, indiquant l'envie de Yamaha d'orienter ce modèle vers les fans de sportivité, la SP proposant également un mode track exclusif et un paquet d'options performance pour un tarif augmenté de pile 2000 francs ou euros. On arrive au bout de cette journée au guidon de la nouvelle MT-09. On a de la chance, on était les tout premiers au monde à pouvoir essayer cette moto. Il n'y a aucun groupe qui est passé avant nous. Bah, très belle surprise, et j'en discutais avec Carlito de chez ActuMoto qui me demandait est-ce que tu arrives à les trouver un défaut. Et alors effectivement, il y a encore quelques petites finitions, quelques câbles qui pourraient être un tout petit peu mieux planqués, on va dire. Mais dans l'ensemble, il y a une énorme évolution depuis le premier modèle. Alors heureusement, vous me direz en 10 ans. Mais en tout cas, Yamaha a fait évoluer très bien cette MT-09. Et effectivement, cette moto, elle a très peu de défauts. Ils ont fait quelque chose d'assez fabuleux avec ce modèle-là. Elle est très plaisante à rouler. Et voilà, c'est clair que la MT-09 représente une moto qui est extrêmement importante dans le catalogue Yamaha, pour Yamaha, en tout cas sur le segment européen. De nouveau une belle réussite, alors on aimera ou on n'aimera pas le phare avant. Honnêtement, quand je l'ai vu à Milan, je le trouvais absolument horrible, il faut dire les choses. Et puis là, cette moto elle est tellement attachante en termes de sensations qu'elle donne que finalement on lui pardonne un peu ça et on finit par s'y habituer. Elle est tellement bourrée de caractère au niveau moteur, elle est fun, elle est hyper dynamique, elle est facile en même temps. Hein, c'est une moto qui, on l'a vu, hein, elle lève tout le temps, enfin, c'est très joueur. Et je pense que quelqu'un, un débutant, se trouvera avec le mode street, se trouvera franchement à l'aise et ne se fera pas surprendre par cette moto, justement de par sa souplesse, parce qu'elle pardonne beaucoup de choses. Et puis en même temps, si on veut mettre un petit coup d'accélérateur et se marrer, et puis rouler un peu fort dans les petites routes montagneuses, ben, c'est une arme idéale.